Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut importer des données d'un fichier qui est au format texte ou .csv. Ce genre de fichier, normalement, est séparé par un caractère qui peut être un point-virgule, un espace, une tabulation ou autre, et qui est donc au format txt ou .csv. Ici, comme vous pouvez constater, tous mes champs sont séparés par des points-virgules. Et je ne suis pas en colonne, type un fichier où j'aurai code postal ville. Dans ce cas-là, code postal ville, un code postal français, c'est un nombre constitué de 5 chiffres. Donc là, je pourrais avoir 5 chiffres, un espace et le nom de la ville. Donc ça serait en colonne. Ici, on voit bien que rien n'est aligné. Donc je vais essayer d'importer ce fichier qui est un .txt dans Excel afin de pouvoir plus tard le retravailler. À partir d'Excel, deux possibilités. Soit je me rends dans l'onglet fichier, ouvrir. Et ensuite, je vais lui indiquer où se trouve ce document afin de pouvoir l'importer dans Excel. Voilà. Normalement, il est sauvegardé dans ce répertoire, mais je ne le vois pas. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que par défaut, Excel n'ouvre que des fichiers de type Excel. Donc, comme on peut le voir, Excel, XLSS, XLX, M, B, AM, etc., etc. Donc tous les fichiers typiques d'Excel, mais pas un point texte. Donc pour ce faire, soit je clique ici et avec le clic gauche et je sélectionne fichier texte. Et vous voyez qu'il est bien ici. Soit je sélectionne tous les fichiers et là je sélectionne bien mon fichier qui est un type document texte. Ceci est une première possibilité. Autre solution possible, c'est de passer par l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, j'ai ici l'icône Fichier texte dans le groupe Données externes. Donc je clique dessus. Pareil, je vais lui indiquer où se trouve mon fichier. Une fois que je lui ai indiqué, je le sélectionne, je fais Importer. Et maintenant, j'ai un assistant d'importation qui apparaît. Alors, il me demande dans un premier temps comment est constitué mon fichier. Est-ce qu'il est délimité par des caractères tels que des virgules ou des tabulations? Ou est-ce qu'il est aligné en colonne? Donc, pour rappel, comme vous pouvez voir, je suis séparé par un caractère qui est un point-virgule et je ne suis pas en colonne. Si je me trompe et que je mets la largeur fixe, donc comme vous voyez en dessous, ici, en disant que je dois commencer l'importation à la ligne 1, origine du fichier, normalement cela, on ne le touche pas, que mes données ont des entêtes, je fais suivant, vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de différence entre avant et maintenant, donc c'est que je me suis trompé au point de vue séparateur, donc il n'est pas ici en colonne et séparé par un espace. Donc je fais précédent. Et si je sélectionne délimiter, je fais suivant. Maintenant, je dois choisir quel type de séparateur. Donc moi, pour rappel, je vous ai mis ici comme séparateur point-virgule. Donc tabulation, il ne trouve rien. Je le décoche. Je vais passer point-virgule. Je vais juste mettre virgule. Vous voyez qu'il ne se passe rien. Espace. Alors il a trouvé à un certain moment des espaces. Si j'enlève, vous voyez l'espace entre mardi 16 octobre 2012. Donc, il a trouvé des espaces. Et du coup, il me met une séparation. Mais ce n'est pas l'espace. Autre, si c'était un caractère autre que ce qui est défini au-dessus. Nous, c'est point-virgule. Donc, je vais cocher point-virgule. Et vous voyez qu'automatiquement, il a trouvé chaque colonne pour lui. Et indiqué par le point-virgule. Je peux aussi interpréter les séparateurs identiques consécutifs comme uniques.
Une fois que j'ai fait ça, je peux lui dire suivant et lui indiquer le format de chaque colonne. Mais déjà à ce stade-là, si je le souhaite, je peux cliquer sur terminer. Il me demande si je le mets dans une feuille de calcul existante ou si je la mets dans une nouvelle feuille de calcul. Donc ici, je vais le mettre dans cette feuille. Je fais OK. Et voilà. Et maintenant, j'ai bien ici importé mes données d'un fichier texte CSV dans Excel afin de pouvoir les travailler. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.